Aujourd'hui, nous commençons les grandeurs sur les rapports. Quand on dit rapport, c'est une comparaison entre deux grandeurs. De la première grandeur à la deuxième, on compare et on essaie d'établir ce rapport. Observe d'abord, l'œuf pèse 48 kg et cola 12 kg. Le poids, constate que le poids de l'œuf et celui de cola sont dans le rapport de 4 à 1. Comment avons-nous trouvé cela? Le rapport du poids de l'œuf au poids de cola est la fraction de 48 sur 12. C'est-à-dire on prend la première grandeur sur la deuxième grandeur. Et on peut simplifier, c'est ainsi qu'on a trouvé 4 sur 1. Et on va écrire ça 4 à 1. En commençant par la grandeur qui est en haut. Au point 2, on peut aussi faire l'inverse. Comparer le deuxième poids de cola au poids de l'œuf, qui sont dans les rapports de 1 à 4. Comment on les fait? Le rapport du poids de cola au poids de l'œuf est la fraction, puisque le rapport s'écrit aussi sous forme d'une fraction. Tout ce qui s'applique à la fraction comme représentation, ça s'applique aussi au rapport. Au-dessus là, on va écrire le poids de celui dont on a parlé en premier lieu. Cola, c'est 12. Et l'œuf, c'est 48. Et quand on a écrit cette fraction 12 sur 48, nous avons simplifié et nous avons trouvé 1 quart. C'est ça. Tout comme tu peux aussi écrire 1 à 4. C'est ce qui justifie le premier rapport. Donc, je reviens encore pour dire que les rapports sont un rapport, c'est une comparaison de deux grandeurs. On peut comparer aussi sans chiffres. Comparer seulement les mètres et les kilomètres. Établir les rapports. Comment on fera? Par exemple,